un instant que l'on prend pour soi, un instant où tout va bien, tout va très très bien. J'espère que tu es dans le calme, que tu peux profiter pleinement de la douceur de mes paroles et te détendre en étant bien au chaud, bien installé confortablement. Alors comme tu le sais, j'adore découvrir des nouveautés, des articles.
ça gênant, tu sais, les personnes qui ont des grains de beauté ou des petites taches de naissance. Enfin voilà, je trouve que c'est aussi ce qui fait l'identité de la personne, ce qui fait son côté unique. Mais après, ça c'est, voilà, en fonction de comment chacun se sent et le ressent, il faut respecter. Le tout après, c'est voilà, d'arriver à se sentir bien. Donc là, j'ai pris deux couleurs, tu vois, différentes, une claire, une plus foncée. Après, on peut aussi mélanger. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable quand on a du mal à trouver exactement sa teinte de fond de teint ou d'anti-cerne. Pas hésiter à mélanger un petit peu. Et pour l'anti-cerne, on recommande toujours de faire une couleur, une teinte un petit peu plus claire, un peu en dessous de la couleur du fond de teint. Alors je m'excuse d'ailleurs, j'en profite pour ma vidéo où je t'ai présenté pas mal de fonds de teint, pas mal d'anti-cerne. Il y a eu un petit souci, j'ai dû mal brancher mon micro. Les aléas du métier. Et du coup, le son est assez faible. Alors, on l'entend quand on met au max. Mais il est plus faible que d'habitude. Parce que je pense que du coup, le son est arrivé directement par mon appareil sans passer par le Blue Yeti, sans passer par mon micro. Donc, désolé, là maintenant, je vérifie. À plusieurs fois, je regarde qu'il y a bien la petite lumière allumée sur le Blue Yeti qui m'indique qu'il est bien raccordé à l'appareil avec lequel je filme. Donc là, je sais que c'est tout bon. Je vais bien faire attention. Et alors, j'ai trouvé aussi ces petits produits que je trouvais super jolis avec, tu vois, le capuchon qui a des petits chevrons comme ça, violet sur fond doré. C'est presque hypnotique à regarder. Je trouve ça super joli. Alors j'en ai pris avec deux couleurs différentes également. Hop. Pareil, ça permettra de faire des petits essais pour voir ce qui va le mieux. Une teinte un peu plus rosée, une teinte un peu plus marronnée. Alors c'est aussi parce qu'en fonction de l'année, l'été, on a forcément le teint beaucoup plus hâlé du fait du soleil. Et donc c'est vrai que moi j'aime bien des fois l'été ne même pas mettre de fond de teint, juste mettre un petit peu d'anti-cerne comme ça. Ça suffit. Donc voilà, il faut juste trouver sa bonne couleur. Alors après, j'ai vu qu'ils avaient tout un rayon avec plein d'articles un peu comme ça, bricolage ou pour la maison. Moi j'ai pris des patins en mousse. Ce sont des patins qu'on peut mettre par exemple sous les pieds de sa table, les pieds de ses chaises pour éviter que quand on les déplace, cela fasse du bruit pour les voisins. Et même pour soi, ça permet de ne pas abîmer son parquet ou son sol. Donc je trouvais ça pratique. Donc les miens, ça faisait un petit moment que je les avais. Donc avec le poids des meubles, ça a tendance à affaisser un petit peu la mousse. Donc là, j'en ai repris. J'en ai pris des ronds comme ça, assez grands. Et des plus petits, notamment pour les pieds de chaise qui sont comme ça carrés. Donc ça c'est super super pratique, petite astuce. Après j'ai été voir au rayon des bijoux et j'ai fait des petites trouvailles avant de te montrer le reste. Alors déjà une bague en argent qui est en fait faite de deux anneaux. Je trouvais ça super rigolo. Il y en a d'ailleurs qui les portent, tu sais, comme ça. Mais là, en l'occurrence, je vais les porter les deux ensemble. Il y a un anneau qui est un peu strié et l'autre qui est lisse. Je trouvais ça très 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 joli. Et avec, je compte porter cette paire de boucles d'oreilles aussi, tout en argent. Ce sont des anneaux, tu vois, accrochés les uns aux autres et qui sont un peu striés. Je trouvais ça super joli. Ça rend hyper bien. Moi j'adore parce que ça fait des petites boucles d'oreilles qui descendent. C'est un peu comme des petites créoles multiples. Ça s'ouvre comme ça. Hop, ça se reclipse facilement. Tu vois. Et c'est sympa parce que les anneaux sont mobiles. Toujours cet esprit un petit peu Jeux Olympiques finalement. Je trouvais que ça pourrait aller ensemble. C'est pour ça que j'ai remis mon collier avec les 5 anneaux. Hyper hyper sympa. D'ailleurs à la base, ce collier là, j'ai vu sur le
soit la taille de pied qu'on fasse, et je me dis que pour les enfants, même quand ils grandissent, ils changent de
dans chaque domaine pour pouvoir te montrer.